must have heard about the dough. Now Captain, come on and save her. I get a crook in the club, I'm off the chain. Number one on the chart all the time. I ain't been a kid in the house, I turn it out. Get the dance floor packed, that's without a doubt. Shorty shake that thing like a pro, man. She backed it up on me, I'm like, oh man. I got close enough to her so I knew she could hear. System puppet party jumping, I said loud and clear. Salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis avec Quentin et on va vous présenter une Civic Type R que vous voyez ici. C'est parti. Du coup, la voilà. Donc, salut. C'est la tienne, hein, du coup. C'est ça. Civic Type R FN2 de 2007. 2007, ouais. 201 chevaux, le K20 Z4, le fameux K20. Voiture anglaise. Voiture import, donc c'est un import. Ouais, c'est un import. J'ai été la chercher en Angleterre directement. Ah, c'est toi qui s'est déplacé? Ouais, je l'ai cherché avec un ami, un petit kiff, puis ça fait un petit voyage. C'était loin en Angleterre ou genre vraiment... à 20 minutes de Londres dans le sud. Et ça fait un bon 2 heures de route. Et puis ça fait un petit voyage, l'Angleterre c'est pas si loin que ça, et puis on revient avec un beau petit cadeau. Donc, bah ouais, tu m'étonnes. Ça fait toujours plaisir. Tu m'étonnes. C'est vrai qu'elle est belle quoi. Tu l'as récupérée en soi, elle était d'origine. Elle était toute d'origine, toute rouge, sans le béquet, c'était pas ces jantes là, c'est pas... non plus le système de frein non plus, enfin, ça c'est du plus. Et ouais, toute d'origine, le type était vraiment passionné aussi, et c'était sa voiture tous les jours, et il voulait pas faire de modification. Ouais. Et du coup, bah, quand j'ai arrêté, j'ai dit bon, bah, ça y est, on va commencer à l'améliorer, parce que c'est sympa. Puis bah, voilà, à force de commencer, continuer, bah, on arrive là. Ah bah ouais, c'est vrai qu'avec ce petit covering, ça rend plutôt pas mal, hein. Ça rend plutôt pas mal, et puis ça rajoute une touche personnelle. C'est ça. En plus, elle se démarque des autres, et puis surtout avec ça, qu'on aime beaucoup, j'étais obligé de le montrer, ça rajoute un truc en plus, quoi. Ça fait sympa, ouais. Et d'ailleurs, c'est qui a fait le covering? Du coup, c'est RS Factory, donc... Ah bah du coup, qui est là. On en profite, hein. RS Factory, si vous voulez voir, c'est sur Facebook. Hein. C'est sur Facebook, ouais. Facebook, et puis du coup, le Insta de Quentin qui s'affiche ici. De toute façon, je mettrai tout en description, bah, même RS Factory, du coup. Comme ça, ça fera une petite pub. Ouais, petite pub, ça fait toujours plaisir. Bah ouais. Et du coup, tes jantes, c'est des quoi? Les jantes, c'est des Feedline Corsair, donc c'est les mêmes que j'avais en option à l'époque, quand c'était des Rage. Et les Rage, c'était pareil, donc en 19 cette fois-ci, et là du coup je les ai passés en 18 parce que bah moi je préfère, et puis c'est moins galère on va dire à trouver des pneus, et puis ouais, tu consommes un peu moins, non? Et puis ouais, on consomme moins, et puis j'avoue qu'aussi c'est pas flagrant, t'as changé en saut, enfin je l'ai vu que c'était du 18 mais un peu plus gros, je pense que c'est bon, c'était que... ça rendait sympa aussi, mais c'est pas, voilà, 18-19 il y a qu'une taille qui change, donc en soit c'est pas dérangeant. Après, on a ressorti un peu les gens, du coup il y a une cale, donc il y a des cales à l'avant. Des cales de combien? J'en ai aucune idée, ça je pourrais pas te dire exactement, mais il y a des cales parce que ça c'est pas d'origine. Ah, ça c'est pas d'origine, c'est toi qui l'as rajouté? Ah, ça c'est d'origine, mais le d'origine elle est encore un peu plus enfoncée, donc ouais. Effectivement on a voulu les excentrer un peu pour que ça fasse moins bizarre. Ouais. Et le résultat est plutôt sympa, satisfaisant. Bah ouais, ça rend bien. Les jantes elles vont bien avec tout en fait, le covering, la couleur et la voiture. C'est ça, malgré qu'elles sont pas mal critiquées mes jantes. Ah si, elles sont belles. Elles sont belles. Et du coup, là aussi on voit d'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, hein, je pense avec le reflet du soleil, il y a un petit rappel juste derrière le covering. C'est HPM, ouais. Honda Performance Maps. Faut le voir en fait. Faut le voir, ouais, voilà.
C'est aussi une petite pub au travail que je fais en annexe, la reprogrammation de Honda. Pour, ouais, du coup, ça, c'est toi, ça. Ça, c'est, bah, c'est moi avec, avec les associés, d'accord. Avec le mappeur. T'as une mappeur connu, Luigi. Et du coup, voilà. On... T'as une page Facebook pour ça ou... Ouais, ouais, bah, c'est HPM, c'est Honda Performance Map, c'est vraiment. Ok, bah, de toute façon, je mettrai tout, tout en description, comme ça, ceux qui veulent voir. Ils pourront aller checker ça et puis si vous avez besoin de quelque chose en vrai n'hésitez pas quoi. Voilà. N'hésitez pas. On est présent, répond sur Facebook de la globalité. Si jamais les gens ont besoin, faut pas hésiter à poser des questions et on est assez réactif là-dessus, on est pas mal, bah ouais. On est tout partout en France aussi donc. Ah ouais, 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 on est 12 ou 11, 12 ou 13 associés. Moi je suis dans le nord et le mappeur est à Reims. Et là dans le sud, il y en a vers Paris. Enfin voilà, on est vraiment. Ouais. On est tout en France. Et puis okay. Pour certains ils se déplacent donc si jamais. Ah bah ça va alors. Faut pas hésiter. Et du coup, ce que tu me disais tout à l'heure par rapport au béquet, tu me disais que ça en fait de base, t'avais que le bas que ici. Cette partie ici en bas, et en fait on coupe ici là, on coupe ouais. Le béguin, on retire cette partie là. Cette partie là n'est pas d'origine du coup. Et du coup on retire la première partie là et on remet celui-ci qui du coup est un ensemble. Ouais ouais c'est pour ça. Ça ouais. Finit la caisse quoi. Ils auraient dû la sortir comme ça d'origine. Hein, donc ça c'est un vrai Mugen ça. Ça non c'est une copie. C'est une copie. Mais qui est très très bien fait. Voilà. Avec pareil hein, toujours le petit rappel qu'on apprécie beaucoup. Et ouais bah ça fait toujours plaisir de voir ça. Hein. Bah quand on est fan. Ah bah ouais. Tant que c'est quelques touches, c'est pas trop flagrant. Ouais voilà, tant que tu fais pas genre. Le symbole du Defcon partout, ça va. Ouais ouais voilà, juste en petit comme ça, c'est déjà très bien. Tu vois. Avec le petit logo Tipper ici. Et en vrai ça fait un petit diffuseur quand même sympa hein, derrière. Ah ouais bah il est classe. Du coup ça c'est le diffuseur GP donc. Avec le pack GP, donc les gens trade plus le pack, c'est vraiment full option à l'époque quand je l'ai acheté. Et du coup c'est la lame arrière noire et pareil il y a la lame avant noire. Et du coup c'est ce côté encore plus significatif de cette version parce que bah, DFN2 on en voit quand même pas mal. Ouais. Et sinon c'est un pare-choc classique on va dire, qui est déjà sympa aussi, hein, mais là voilà, ça fait vraiment. Ça l'accentue et puis après il y a le Mugen, mais bon ça c'est. Ça c'est pour exclusivement réservé à la Mugen on va dire. Elle est encore plus agressive comme c'est ça. C'est ça ouais, avec les deux sorties qui sont vraiment voilà c'est vraiment deux sorties rondes et des fois ouais. Bah, même les gens laissent sortir l'échappement pour vraiment faire un côté vraiment plus agressif encore. Et c'est pareil, les feux ici sont teintés. Les feux sont teintés, même cette partie là ici et ah ouais ouais t'as même. Parce qu'en fait cette partie là d'origine elle est de cette couleur là. Ouais. Et en fait ça va avec les voitures généralement grises, ça fait pas trop choquant. Mais moi c'est vrai que je préférais la mettre noire ici, puis c'est vrai que le bandeau avec les feux ça fait vraiment sympa, puis avec le covering. Ouais si, bah en vrai c'est ça fait une légère coupure au milieu en fait. C'est ça, puis ça fait ressortir le H rouge aussi, ouais. Des Tipper du coup. Donc excusez-moi d'ailleurs des Tipper parce que toutes les autres voitures Gironda non Tipper n'ont pas le H rouge et le H il est juste en fond noir. Ouais, donc, il est en fond noir. C'est ça. Moi je pensais qu'il était genre que tu voyais vraiment que la lettre en fait. Non, t'avais pas le fond. T'as toujours le petit rappel, un petit père ici. C'est vraiment. Ça, c'est un sticker. Ça, c'est un sticker. Pareil, en fait, ça, c'est une option. Quand on change la voiture, on pouvait avoir cette option Tipper. Mm-hmm. Et en fait, quand je l'ai acheté, elle était déjà d'origine. Enfin, d'origine. Le type qui l'avait acheté l'avait laissé. Ouais. Et elle avait pris. Du coup, bah, quand je l'ai acheté, elle était déjà. Et elle, c'est pas un rajout de ma part. Et du coup, pour le petit symbole, on l'a laissé. Donc. Ah bah ouais, de toute façon. C'est du plus. C'est du plus. C'est du plus, mais. Après, il n'y a pas besoin de réécrire Saint-Hyper pour le voir, non, mais bon. Ouais, mais. Au moins, voilà, ça fait un petit rappel sympa, c'est pas. Pareil, hein, toujours en dessous du rétro, hein, le petit rappel. De toute façon, il y a des deux côtés, hein, le petit logo Defcon. Ouais, c'est symétrique. Pour ceux qui connaissent, ils vont le voir tout de suite. Power of Dream. Avec le Power of Dream, là, juste là, ça part soleil, hein, du coup. Ah, ah ouais. Ça, le parfait, en fait, Power of Dream, c'est un peu la devise de Honda. Et le pouvoir des rêves, et du coup avec le R en rouge pour aussi le rappel, pour ça c'est plus un côté sympathique et une petite touche de ma part, mais avec le R, même typologie que le R de Tipper, ouais. Et c'est vrai que c'est pas courant ce genre de pare-soleil, donc ça fait un plus. Ouais ouais si, ça fait un plus, et puis ça rend bien, ça rend bien. C'est toujours sympa d'avoir des petits trucs comme ça en plus sur sa voiture, mais là vous le voyez bien le covering, et franchement, en plus, t'as rajouté des trucs hein, là quand t'as été l'amener. Hein.
Ouais, bah, j'avais un covering de base avec des chiffres que certains ont pu voir, 0,5 à droite, à gauche, qui avait une scripto sympa, mais qui ne me convenait pas, on va dire, à 100%. Du coup, j'ai fait vraiment rajouter cette petite touche. Et le signe du Defcon, c'est vraiment quelque chose qui m'est cher. Du coup, bah voilà, c'est un petit rajout sympa. Ah bah ouais. Sur le capot, pareil, le capot tout est fermé d'origine. En fait, ça c'est des rajouts. C'est moi qui l'ai rajouté. Donc c'est vraiment ouvert. Bah ouais, ça c'est vraiment ouvert. C'est vraiment. Et ça en fait, c'est des prises d'air de la Ford, si je dis pas de bêtises, hein, la Ford Focus ST ou RS, je ne sais plus. Et l'une des deux, et en fait, ça a été repris et acheté, j'avoue, sur un site marchand très connu. et voilà, c'est pour pas cher et c'est vrai que ça fait. Ça fait le taf. Ça fait le taf, voilà. Ah si, ça fait le taf, c'est toi qui les as mises. Du coup, ouais, je l'ai mis avec un pote, on a coupé donc de façon symétrique le capot et puis on a fait ces petits rappels et ça permet aussi effectivement de faire partir la chaleur et surtout bah, voilà, d'avoir un côté esthétique que j'apprécie. Ouais, et puis même ça rajoute encore une petite touche de sport, on va dire. C'est ça, le dynamisme, on le voit aussi par là. Après, sinon, il y a effectivement aussi le capot Teguiwa qui lui par contre a vraiment des prises d'air pareil directement ancrées. Ça c'est vraiment acheté avec le capot, hein, c'est lui qui a cette particularité. Et là, sauf que les prises d'air sont vraiment beaucoup plus grandes. Ouais. C'est sympa aussi, mais bon, c'est le tarif est pas le même non plus. Ah bah ouais, c'est sûr. Et du coup, le fameux rappel de la lame avant du pack GP. Du pack GP du coup. C'est ça. Et pareil d'origine, sinon c'est une lame rouge, si je dis pas de bêtises, et du coup on a pas ce côté noir. Ah si, c'est vrai qu'elle est belle. Comme ça. Du coup, c'est une FN2 Type R. FN2 Type R, ouais, de 2007. 2007, combien de chevaux t'avais dit à peu près ? 201 d'origine. Et là, elle est en stage 1 plus, donc on va dire qu'on est pas loin des 230-240. J'ai pas de passage au banc pour confirmer, mais on doit être dans ces eaux-là. Bon, du coup, ici à l'intérieur, on a des sièges baquets avec le logo Type R dessus, qui rend bien sur les deux de toute façon. Hein. Mais c'est full alcante aussi. Et d'ailleurs, c'est une RHD avec le logo rouge, hein, comme tu disais, sur le volant. Je sais pas si on le voit bien, mais là, du coup, on va mieux le voir. Mais c'est vrai que RHD, déjà, coup, un RHD. Clin d'œil Japon, du coup, bah, japonais, RHD, puis ça change aussi d'ordinaire. Ah bah ouais, bah surtout les gens, quand ils te doublent. C'est ça. Ils ne vont pas côté gauche, ils doivent se dire, bah merde. C'est ça, il y a un problème. Des fois, quand tu vois madame en train de se maquiller ou en train de manger, je dis, oula, elle a pas les mains sur le volant, des fois, il y a un problème. Mais non, c'est sympa, c'est des petites anecdotes sympas. Ah bah ouais, mais là, c'est pareil, hein, t'as du rouge. Ouais. Comme tu disais aussi, tu l'as derrière, t'as aussi les petits trucs de ceinture, tu les as mis derrière aussi. Ça, c'est montré en faisant le tour. Ah bah ouais. Ah ouais. Elle est nickel, hein, en vrai. Ouais, bah ouais. Elle est nickel. Ouais, t'as les petits rappels Honda sur les. Montants de ceinture, enfin les montants de ceinture, les ceintures du coup. C'est ça. Les tapis aussi, Type R. Donc ça, en fait, tout ce que tu as là, c'est pas même les tapis, enfin juste le tapis, c'est d'origine dans les Type R, mais certains le mettent sur les Type S ou les autres Civic. Ouais, c'est vraiment les rappels partout. Ouais, ouais, il y en a partout, c'est un truc de ouf. Il y en a partout. Il y a des baquets, ils sont beaux. Ah, c'est des. Ouais, tout d'origine, c'est pour ça qu'ils sont sympas. Ils maintiennent bien. Hein, pour. Même sur le levier, hein. Sur le levier, il doit en avoir au niveau du compteur, non ? Ouais, ouais, il y a aussi marqué Type R. Et du coup, bah, je sais pas si on le verra bien, mais si tu arrives à zoomer sur la plaque là-bas, du coup, la voiture est numérotée, du coup. Ah ouais ? Ouais, ouais, la voiture est numérotée, hein, du coup, comme tout est Type R. Ah ouais, je sais pas si vous allez le voir, mais ouais, ouais, si on le voit. Donc là, c'est la numéro 9000. C'est vraiment son. Ouais, 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 c'est la numéro 9135, il me semble. 9135, hein, voilà. Il y en a eu combien des comme ça, tu sais pas? J'en ai aucune idée, c'est des productions. Alors, sur les FN2, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Mais après, il y a des éditions un peu plus rares comme la WCE ou la White Edition et également la Mugen. Où là, c'est des éditions plus rares. Mais sinon, non, c'est là, il y a les FN2, on va dire d'origine, parce que malgré son pack, elle est quand même moins rare et il y a une paire. Mais sinon, ouais, ça reste des modèles numérotés aujourd'hui, bah, même si effectivement c'était un modèle standard d'origine, ça ne l'est plus. Ah. Tu te rappelles des plaques aussi sur les plaques noires du coup, hein. Ouais, j'ai dû le filmer tout à l'heure, FN2 Type R is better. C'est ça, voilà. On le voit juste en dessous, hein. De toute façon, même là, au-dessus du 50. On va vraiment faire tout dans le détail. Hein. Ah, faut aller jusqu'au bout. C'est ça. Et du coup, donc, ouais, donc le stage qu'elle a aujourd'hui avec les pièces vertes, donc on est sur un stage 1,5 passage éthanol. Donc je dis 1,5 parce que bah voilà, c'est pareil, on peut parallèlement dire stage 2 parce que le collecteur est à l'année. Comment dire? Je l'ai dit tout à l'heure, les D14 sont encore présents, donc voilà. Mais sinon, j'ai la ligne Miltech, j'ai du coup les jantes en 18,
des PS4 montées dessus, j'ai les disques de la 350Z avec les plaquettes et étriers de la Mégane 3RS. Ah ouais. On se rend tout le système de frein de la Mégane 3RS dessus. Après dessus, je vais faire rajouter un autobloquant d'origine dans les WC, donc dans les White Edition. Donc, faire rajouter par un ami. Après, qu'est-ce que je crois que j'ai dessus décalage du VTEC, décalage du rupteur, enfin voilà, c'est plein de petites choses internes au moteur qui font qu'on va grappiller les chevaux. Bah d'ailleurs, si tu pourrais ouvrir comme ça, on va voir à peu près à quoi il ressemble. Le moteur, vous allez voir qu'il prend vraiment. Il y a un hélicoptère, je sais pas. Bah, il est là-haut. Surveille l'autoroute. Et voilà la bête. Le fameux VTEC. C'est ça. Le camarade avec son système IVTEC. Ah ouais. Il est gros quand même. Hein. Ah ouais, bah ça reste un. Mais bon, vu que le capot il s'ouvre, mais je vais le mettre sur le côté. Comme tu disais, tu peux vraiment te coucher au-dessus. Ça, tu peux te mettre. Tu as des réparations à faire, tu veux retirer la, ici, la, en dessous de la baie de pare-brise. Tu veux trifouiller, tu peux, t'as de la place. T'es pas emmerdé. C'est ça. T'es pas emmerdé. Et du coup, là, ce qu'on voit, ce que j'ai pas dit également, c'est l'admission. Donc, l'admission HPM. Donc, là où on fait les cartons, hein, du coup. Et ouais, admission HPM plus la carte au passage éthanol HPM. Donc, full HPM, pas de gêne ou ci ou là. Alors, je suis pas contre, attention, mais je voulais tester ça et j'en suis satisfait. Donc, vous en restez là-dessus. Quoi. Faut quand même montrer. Ça, c'est le côté dynamique et sportif. Mais si on montre le coffre, ça sera plus sympa. Ah ouais, c'est vrai. T'attends pas à voir ça. Ouais, c'est vrai, vous allez voir là, j'étais pas prêt non plus. Ça, c'est le côté tranquille, sportif, puis là, on a le côté familial. On a la place pour ranger. C'est vrai qu'il y a vraiment. J'ai pas fait le calcul, mais 3, 4, 5 sacs de course ça passe, et puis si jamais ça passe pas, et ben, on a un sous-coffre pour avoir un peu plus de place. Ah ouais. Donc, je me disais, là, les sièges, apparemment, vraiment, ils se couchent. Ouais, voilà, mais en fait, si on couche, on met un mat là, je vais faire l'autre, de toute façon. Tu peux mettre un matelas et tu peux dormir dedans si jamais tu vas à HEM ou à 12 occasions comme ça. Je fais ça, voilà. T'as vraiment le. Ah, tu vois, je me allonge dessus. Ah ouais, bien sûr, c'est mon lit, quoi. Voilà quoi. Et là, tu mets un matelas, tu peux cesser le. Ouais, c'est pas comme les autres voitures où vraiment t'as le dossier qui remonte au-dessus, mais là vraiment c'est tout plat. C'est tout plat, mais un matelas passe vraiment, hein. c'est pas des conneries, hein. C'est vraiment. Ouais, si t'as de la place, là t'as du litre. Donc voilà, là tu peux faire des courses, tu peux vraiment, en cas de confinement, si jamais il y a lieu, tu peux faire vraiment un stock. Ah ouais, mais là ouais, putain, t'as même l'impression que la voiture elle est vidée quoi. C'est ça. Il manque plus de l'arceau. Voilà, plus d'arceau, plus c'est bon. Putain. Non, mais bon. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi, c'est vraiment pour ce côté spacieux, relativement familial. Ouais. Et dynamique si jamais on appuie un peu quoi. Ah bah ouais, mais t'as de la place derrière. En vrai, quand t'es assis. Ouais, quand t'es assis, ouais, t'as de la place. Hein. Entre toi et le chauffeur, on met le siège. Le siège conducteur ou passager, ouais, t'es vraiment bien quoi. C'est... Bon, faut pas non plus faire 2m50, hein, mais. Ouais, ouais. En vrai. Et si jamais. J'ai limite plus de place que dans ma Polo. Et. Ouais, si, t'as de la place en fait. T'as carrément de la place. Même là, hein, même ma tête, elle touche pas le plafond. Mais ouais, si, t'as carrément de la place. De toute façon. Comme t'as dit. Ça a ses avantages. C'est ça. C'est un avantage qui fait office de familial quand on veut conduire les enfants à l'école. Si jamais on a un siège enfant à mettre à l'arrière, on le met sans problème. Ça, le problème, c'est toujours les trois ports, donc c'est le siège, etc. Mais sinon, voilà, c'est le siège passe, tu pars en vacances, tu pars en vacances avec ta FN2, et puis voilà. Tu te fais plaisir sur la route, hein, en même temps, bah voilà, t'es une voiture qui sert à tout. Donc, Ah, du coup, là, tu l'as ouvert? Ouais, du coup, je l'ai ouvert. Je vous montrer, du coup, c'est la petite tirette, et du coup, voilà, c'est. Ouais, voilà. Et quand tu appuies dessus, et quand j'appuie sur là, voilà. Et là, c'est bloqué, t'es fermé. Et voilà. Et voilà. C'est le tour d'extérieur. Avec le petit bouton, toujours. Le start, le petit start. Bah, tu vois, ça fait pas. Ça fait un bruit vraiment sympa, mais tu vois, c'est pas dans l'abus. Ça reste discret, ça reste le quotidien sympa. Puis comme là, effectivement, on est à un régime de 1000, des fois moins de 1000 tours minute, effectivement, c'est le ralenti. On l'entend pas particulièrement, par contre, c'est vrai que c'est autant plus grand. Bah, comme tout à l'heure, t'as tapé un petit peu. Là, ça se fait entendre. Ça s'entend, ça s'entend. Ça fait un beau petit bruit. De toute façon, c'est pareil, la première fois que je suis équipé.
comme je vous ai dit, et comme certains le savent, j'aime beaucoup tout ce qui est voiture japonaise. Et d'ailleurs, si vous en avez une et vous voulez en la présenter en vidéo, il n'y a pas de souci. Moi, ça me ferait plaisir, et je pense qu'à vous aussi, si vous voulez. Mais en vrai, ça fait toujours plaisir. Merci à toi, d'ailleurs. Mais il n'y a pas de souci, c'est normal. Hein, c'est partage de la passion. Et puis voilà, c'est vrai que des voitures comme ça, t'en as pas tous les jours non plus. Donc, ouais, c'est sûr. Autant faire plaisir et faire plaisir. C'est sûr. Et d'ailleurs, je pense à faire quelque chose d'ici. J'attends d'avoir un certain nombre d'abonnés. J'aimerais bien organiser un rasso ou deux rassos. Ouais. Un rasso full japonaise. Ouais. Et un rasso, donc ça je le dis maintenant, mais ça va pas être pour tout de suite. Un rasso avec les voitures que j'ai présentées en vidéo. Ok, ça va. Ouais. Je pense que ça peut être sympa comme truc. Il n'y aura pas 100, 200 voitures, mais c'est un petit truc sympa. Merci pour tes abonnés qui sont venus, et ouais, ça peut être sympathique. Si t'as parlé sympa, bah moi je serai présent, pas de problème. Du coup, voilà. C'est pas pour tout de suite, hein, mais on verra quand on va s'organiser ça. De toute façon, je t'enverrai un message, il n'y a pas de soucis. Ça marche, il n'y a pas de soucis. Du coup, on va aller faire un petit tour dans l'auto. C'est ça, dans la voiture. On va voir ce que ça donne. La voiture familiale, dans le Scénic. Voilà, dans le Scénic, ouais. Dans le Scénic japonais. C'est ça. Scénic, Budget, super. Ah non, mais quand tu vois que les Japonais, ils font des Honda Odyssey avec des... Le Honda Odyssey, je sais pas si tu vois lequel. Ouais, c'est le gros, avec 7 places, je crois. Ouais, mais celui-là, il a l'air énervé aussi, hein. Il a l'air énervé aussi. Avec un moteur 150 chevaux dedans. Mmh. Oh ouais, je connais très bien. Bon, alors, c'est parti. Bon, bah, du coup, voilà, on est à l'intérieur. Hein. Toujours cette même sensation quand t'es côté gauche et que tu conduis pas. C'est ça. C'est toujours bizarre. T'as l'impression, t'as le contrôle mais sans l'avoir. Parce que t'as pris appuyer sur les pédales, mais tu peux pas. Y a pas de pédale, c'est pas comme l'auto-école. C'est ça, voilà, c'est pas l'auto-école. Du coup, c'est une RHD. Franchement, niveau confort, on est bien. On est bien. Les sièges, ils maintiennent très bien. Ah bah, il faut le taf, et puis parce que ça fait pour de l'origine, c'est très très bien. Et c'est vrai que je vais pas aller changer parce que j'en suis trop satisfait. Ah bah ouais. Mais du coup, ouais, t'as le contour. Je sais pas si on va le voir, mais le contour, il est là. Le kilométrage est au-dessus. En gros, c'est deux écrans quoi, quand on est du coup, pilote, entre guillemets. On est vraiment sur l'avant, dans un avion, parce que tu as vraiment le problème jusqu'ici. Et avec la jauge, la température, l'huile à côté, et du coup le carburant. Et en haut, tu as voilà, effectivement le compteur kilométrique. Avec, quand tu vas dans le Tiber, enfin, dans le VTEC, tu as ici en gros une information comme quoi tu es dans le VTEC. Et t'as des petites pastilles orange qui se mettent pour savoir où t'es et jusqu'à où tu peux aller. En fait, ouais. Bah, t'as 5 petites pastilles qui se mettent en route. Ça, c'est vraiment SP, ouais, c'est pas grave. Et du coup, bah, voilà, si jamais il y a une information à savoir, elle se met au bas avec marqué notre compte est super. Donc, ouais, c'est vraiment. Ouais, je viens de le voir, je l'avais pas vu ça tout à l'heure, le petit logo Tiber. C'est ça, voilà. Pour encore te rappeler que c'est dans une Tiper, mais tu l'auras. Tu l'as entendu et tu le sais, quoi. C'est vrai, quand il y a vraiment un peu de pitain, j'ai remarqué dans beaucoup de japonais, t'as vraiment l'impression que le tableau de bord, c'est ça, il remonte ici en fait. C'est ça, et en fait tout est appuyé vers le chauffeur, et en fait toi t'as rien, t'as pas de contrôle sur même que ce soit là ici, moi j'ai l'option avec le GPS, même ouais, le GPS, toi tu GPS, vois mal, c'est positionné vers moi. Ainsi tu peux gérer ta clim, et t'as la climatisation bizarre, donc tu peux gérer ta climatisation de ton côté. Ah ça, ouais, c'est sympa aussi. Et voilà, c'est ce que t'as de ton côté, c'est tout ce que tu peux faire, gérer ça, et puis si jamais tu veux changer de chaîne pour la radio, c'est tout. Moi tu peux plus rien faire. Ouais, parce que même ton radio est inversé, du coup. C'est ça, voilà, c'est pour ici, enfin voilà, c'est la rage, quoi. Et pareil, donc niveau rangement, c'est pour ça aussi que je répète encore une fois que oui, c'est sportif, mais c'était vraiment côté familial, c'est que t'as du rangement, donc d'un Wattagon classique, donc je laisse ouvrir, il y a un peu de connerie dedans, voilà, t'as une Wattagon avec du rangement, t'as ici un rangement pour les lunettes, et voilà. T'as ici un rangement si jamais bah, tu veux ranger des bricoles, hein, peu importe. Ouais. Et ici, t'as le plus grand rangement qui se trouve ici. T'as le gilet, c'est bien. T'as vraiment, bah ouais, t'as le gilet, enfin ouais, tu mets tout ce que t'es censé avoir dans une voiture et que tu n'utilises pas, bah tu mets dedans. Ouais. Et voilà. Moi, je n'avais pas le gilet sur l'autoroute. Ah, si ça. Ah non, je crois. Ça pousse quand même un peu.
on s'entend parler. Tu roules à 2000 tours minute. Là, c'est pareil, on s'en. Voilà, là, t'es là, je suis arrivé à 2000 tours, t'entends rien, t'entends plus rien. Alors que si je monte à 7-8000, même à 9000, hein, parce que c'est des voitures qui vont. Ouais, d'origine, non, mais vu qu'elle est Neuroprog, j'ai 9000, un peu plus, enfin, à 9000, ouais, effectivement. Ça chante bien, ça chante bien et tu le sens que ça tire. Ça tire du 4500 jusqu'au 9000 et ça manque qu'à y aller. Voilà. T'as la sensation, t'es à l'intérieur, t'as le bruit, ben voilà, t'as vraiment ton côté ou ta voiture sur la maîtrise et voilà, tu peux pas avoir de peur, de frayeur dessus à moins d'avoir l'obstacle que t'arrives pas à contrôler. Ouais. Et puis même le gabarit de la voiture est pas. Que t'as vraiment, t'as pas peur avec, hein, t'es bien, c'est confortable, c'est aseptisé mais pas trop. Ouais. Donc c'est cool. Non mais ouais, c'est vraiment une sacrée voiture. Et je suis très content d'avoir pu en filmer une, quoi. Bah, carrément, et puis c'est. En plus, la tienne elle se démarque quand même pas mal des autres. C'est ça, un peu plus. Donc, On n'a pas l'habitude de voir ça. Après, attention, hein, c'est pas la plus performante, c'est pas la plus performante non plus, mais voilà, ça fait ce que j'en fais, elle fait le taf. Et puis, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Pour ceux qui me connaissent, elles savent que voilà, je me suis déjà fait avoir avec, donc voilà, le petit clin d'œil. Ah bah non, ouais, faut faire attention avec ça. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut rouler prudemment. C'est bien d'avoir des jouets comme ça, mais faut toujours faire attention. Voilà. Faut toujours faire attention parce que. Ton Insta, je le remettrai en description comme d'habitude. Donc c'est Quentin. C'est QDRMZCTR. Voilà. Que de toute façon, soit il va s'afficher. C'est ça. Et je vais le mettre en description. Pareil pour RS Factory, c'est ça. RS Factory pour le covering et pour HPM. Pour HPM, ouais, y a pas de souci. C'est du coup tout ce qui est en programmation éthanol ou stage 1, sans forcément parler d'éthanol, mais pour Honda actuellement, on verra par la suite, mais pour Honda et voilà, sur les modèles sportifs ou plus ou moins sportifs, ça dépend, mais il y a pas mal de modèles, mais voilà, faut directement aller sur le site HPM, au pire je te l'enverrai parce que c'est un peu communiqué par nous, par Facebook, mais c'est un site directement. Un site dédié à ça directement. Ça. Et voilà, vous verrez si votre modèle est adéquat, mais voilà. Voilà, donc de toute façon, tout en description, comme d'habitude, que ce soit les sites et tout, enfin les sites Instagram, tout ça, tout, je vais mettre tout. Et franchement, si vous avez besoin ou si vous voulez checker ça, allez-y. Ouais, faut pas hésiter. Puis même moi, hein, si un jour on se croise dans le secteur, si vous avez reconnu les lieux ou si vous me voyez, faut pas hésiter. Ça fait toujours plaisir de parler passion et puis. Voilà, je suis pas prise de tête, encore manger personne. Du coup voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la deuxième jab sur la chaîne. Jamais 203. Voilà, jamais 203. On verra laquelle sera la prochaine. Peut-être une R35, pourquoi pas. Bah, imagine. Ça serait sympa. Ah, ça serait ouf. Hein. Ça serait ouf. Un sacré glow up sur la chaîne. Putain, ouais. Mais bon voilà, c'est. Peut-être un jour, on sait jamais. Hein, mais... Et du coup, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, franchement ça ferait plaisir, et à vous abonner aussi surtout parce que très prochainement je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui va faire plaisir, et voilà quoi, donc je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, salut, à la prochaine.